je te verrai plus jamais, toi. Je sais que ça se fait pas de dire ça, hein. Mais j'étais tellement contente de plus avoir à t'y porter, après l'incendie l'an dernier. Quand je pense que je vais devoir me taper ta seule couleur jusqu'à l'automne... Betty ! Betty ! Betty, Betty ! Elle avait qu'à faire des jumeaux si elle voulait m'appeler deux fois. Mais il te reste encore tout ça ? Mais presse-toi un peu, ma Betty, après tu viens nous rejoindre avec ton père au verger. Ah non ! Aujourd'hui, c'est pas moi qui m'occupe du verger. Je vais aller à la laverie, ok ? Non, tu n'iras nulle part, ma petite fille, tu vas finir tous ces jus de tomates et tu vas nous rejoindre au verger. À tout à l'heure. Oh, mais qui boit cette merde là ? Ça me diable. Encore une tomate. C'est Eric ? Attends, bouge pas trop. C'est pas du tout moi que t'es en train de dessiner. Elle est quand même très belle, Michel. Ouais, c'est vrai. Betty ? Betty ? Betty ! T'étais encore en train de dormir. J'ai rêvé de Cédric. Encore lui ? Oh, mais t'as rien d'autre à faire. Je sais pas, que c'était BD par un alphabétique, par exemple. En tout cas, je m'en fiche. Bon, je vais à la salle. Salut. Salut Betty. Ah coucou, ça va ? Salut Betty, ça va ? Oui, et toi ? J'aimerais bien récupérer ma robe, s'il te plaît. Il me la faut tout de suite. Je crois que je te l'ai déjà dit, non ? On a dû commander ton bouton à Paris, je suis vraiment désolée, mais là je peux pas te la donner. Mais ça fait 3 semaines que je te l'ai déposé, j'en ai vraiment besoin. Ok, bon, toi je t'apporte ta veste ? Ah ouais, s'il te plaît. Je me rends folle ! Sinon tu fais quoi ce week-end ? On pourrait se faire un pique-nique ? Ouais, pourquoi pas. Ouais. De toute façon, il pleut ce week-end. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-là ? Plus Pascal ! C'est évident que ça me va mieux. Cédric, t'en penses quoi, toi ? Bah, on est d'accord. Merci. Ce rose, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est juste pas possible. Alors ce vélo là, c'est vraiment de la bombe. Il y a ça ici. Santé. D'ailleurs, je pense à ça, il y a une goutte. Il est enlevé.
Bah, non, il est américain, Django. Non, je t'assure, je crois qu'il est américain. Non, il est né à Toronto. Le 32, c'est son arrêt pour être précis. Où il fut l'apprenti d'Alberto Guerrero. Et alors, c'était quoi le numéro de la sonate de Gould qui... Sonate numéro 23, Passionata. Est-ce qu'on peut vous proposer un tour de magie, peut-être? Madame, un simple jeu de cartes. Pour plusieurs parties. La carte qui va sortir tout de suite. De quelle carte il s'agit? Vas-y. Dame de cœur. Yes. Say you love me, show that you love me. Tu la vois dans sa robe rouge. Elle, mon étoile, c'est elle, ma chérie d'amour. Say you love me, show that you love me. Mais qu'est-ce que tu fais là, Betty? Cédric? Salut. De quoi? Tiens. Cédric. Ça te dirait d'aller au ciné avec moi ce soir? Oui. Okay. Oui. Cool. Bah ce soir. Ok. Depuis, avec Cédric, on s'est revu 3 fois, et ça s'est fini. Toi, mon étoile, c'est toi, ma chérie d'amour. Si tu pouvais me voir avec mon cœur qui s'ouvre, et voir d'un tour, ça l'éveille. Tes joies, c'est sous les distances que nous soignons ensemble. Je serai la plume. Si you love me, show that you love me. Courage, je t'ai dit très fort la main. Toi, mon étoile. Toi, ma chérie d'amour.
Paris.